Bonjour Brice, aujourd'hui nous allons aborder une spécificité de notre instrument. Les instruments avant, d'habitude, on prend sa respiration et puis on gère le flux d'air sortant, exactement comme quand on parle. Donc, on prend sa respiration et on prononce la phrase sans devoir reprendre de la respiration à chaque mot, et puis on reprend et on continue. L'harmonica, à ma connaissance, à part peut-être son ancêtre, le cheng, est le seul instrument dans lequel on inspire. Et toujours à ma connaissance, je ne vois pas quand on doit vider les poumons et inspirer longtemps. Donc on va devoir apprendre à gérer cet aspect inverse à l'habitude. Donc pour ça, nous allons reprendre le même morceau, la grenouille, et plutôt que de souffler dans le premier ou le quatrième trou, on va inspirer dans le deuxième trou. Ça fait ceci. 3, 4. Voyons voir ce que ça donne avec l'accompagnement. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, tu auras peut-être une première difficulté, c'est d'avoir la note juste. C'est-à-dire, tu auras peut-être tendance à voir plutôt. Et ça vient de la position de la langue, de l'ouverture que l'on a au niveau de la gorge. Donc, pour avoir la note comme il le faut, c'est-à-dire un sol, il faut ouvrir. Ouvrir comme si tu bâillais. Du coup, on a la gorge bien ouverte. Ou bien, comme si on devait faire de la buée sur des lunettes, comme ceci. Ou sur une fenêtre. Et encore une fois, on ouvre largement au niveau de la gorge. La position de la langue a aussi un intérêt. Le rebord de la langue se colle contre les molaires supérieures, la pointe de la langue reste en bas derrière les incisives inférieures et le milieu de la langue redescend le plus bas possible. Tu peux aussi, pour t'aider, ouvrir la mâchoire et ça permettra d'avoir la colonne d'air bien ouverte. Si tu n'y arrives pas, je sais que tu as un harmonica en ré bémol, comme ceci. Et donc tu peux inspirer non plus dans le deuxième, mais dans le troisième trou. Et on aura la même note que qu'au premier morceau. J'expliquerai après pourquoi. Ça fait ceci. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, point de vue partition, nous avons donc aspiré dans le deuxième trou, donc au-dessus de la ligne aspiré, deuxième trou,
et toujours des blanches. Tandis que dans l'autre harmonica, nous avons aspiré dans le troisième trou et toujours des blanches. Donc dans le troisième trou, dans le deuxième trou aspiré, on a un sol. Dans le troisième trou aspiré, on a un si. Tu me diras que la note que tu as entendue était un do. Mais ça, c'est parce que nous sommes avec un harmonica en ré bémol. La note que l'on entend, ce sera l'équivalent d'un do. C'est un peu compliqué au début de comprendre, mais c'est la notation pour tout instrument transpositeur comme le cor ou le saxophone ou que sais-je. Bien, amuse-toi bien et à très bientôt.